Alors, plus précisément, dans le cas de Washington, alors, maman Marthe, née. Maman Marthe, née. Alors, puis, shop, Africa Union. Mais toi, t'es un gnosso. Il y a un Congolais. On dit que tu es un salis à l'autre. Pour la Corée, on a un peu de bonheur. Pour la Zoto, on a un peu de bonheur. Pour la bonheur. Alors, puis, bio. Bio Africa Union. Et toi, t'es un peu de bonheur. Sinon, si tu es un peu de bonheur, tu es un peu de bonheur. Pour pas comprendre, ma Congolais, où allons-nous? Où allons-nous? Pour la Coréenne, à Pino Moko, pas pour la Coréenne, Coréenne, à Pédi. Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, face à face à un nouveau numéro. Nous allons parler actualité. Ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, vous avez tout suivi. Mais avant, il faut dire que cette semaine a été une très, très, très bonne semaine pour l'Assemblée nationale. On a vu des choses et des choses. Donc, on en parlera sur l'actualité, mais aussi sur la politique entrepreneuriale. Je reçois un candidat à l'élection, ancien candidat à l'élection présidentielle, Seth Kikuni, entrepreneur. Il est à la tête d'une très grande chaîne d'entreprises, surtout en termes du textile. C'est un opérateur aujourd'hui fait la politique et il se démarque dans des tweets que les gens qualifient des provocateurs, que les gens qualifient aussi de tweets qui interpellent aussi. Donc, entre la provocation et l'interpellation, on trouve cette Kikuni. Comment allez-vous, cette Kikuni? Oui, ça va, Christian. Vous êtes, je veux dire, à la tête d'une très grande entreprise et vous opérez dans le textile. D'abord, comment se porte votre entreprise? Bon, je dirais ça va. Après la COVID, c'était quand même difficile. Oui. Raison pour laquelle j'étais un peu en retrait. Mm. Je ne passais plus à la télé. Et il est temps pour moi de remettre en ordre nos affaires parce que nous avons été affectés comme tout le monde, okay, à la fois à l'étranger, aussi ici. Mais non, ça va, petit à petit, on essaye de rentrer dans le jeu. Vous avez même été interpellé par la police une fois, la police de la COVID, vous avez été interpellé, et puis ça s'est passé comme ça s'est passé. Mais, et puis après, j'ai vu votre tweet, toujours dans le cadre de la police, vous vous inquiétez du fait que la police met beaucoup de barrières pour arrêter des kidnappeurs. Oui, c'est... Je n'ai pas seulement aimé la méthode, la stratégie mise en œuvre parce que ça crée des embouteillages et les kidnappeurs que vous cherchez peuvent voir la barrière de loin et puis voilà, fuir, se dissimuler parmi la population. Je m'étais dit qu'il y avait peut-être un autre moyen de traquer ces criminels parce que même mon assistante personnelle a été kidnappée. Elle est traumatisée jusqu'à ces jours, okay, elle n'arrive même plus à prendre des taxis, voilà. Ça nous dérange tous, ça m'inquiétait, mais on voulait aussi que la police puisse mettre sur pied de bonnes stratégies pour arrêter, non pas 2-3 criminels, mais 90% de criminels qui opèrent désormais dans les centres-villes. Que vous n'avez pas proposé malheureusement, alors que vous avez été en Afrique du Sud pendant très longtemps, vous avez été en Turquie, vous avez même fait des études supérieures, vous avez été dans plusieurs pays africains, comment ils procèdent pour mettre terme à des violences, je veux dire, organisées comme ça, ou au banditisme urbain? Comment ils font? Ça dépend d'abord des bonnes infrastructures. Nous n'avons pas d'infrastructures en République démocratique du Congo. Cela veut dire que nous n'avons pas de caméras dans les rues. Les peu de caméras qu'on a mis ont été volées, pillées, détruites. Vous avez besoin des infrastructures parce que la sécurité en tant que telle n'existe pas. La sécurité dépend toujours du niveau de crime. Plus il y a le crime, plus on augmente le niveau de la sécurité. Raison pour laquelle lorsque vous allez dans un pays comme la Turquie, il y a tellement de bombes partout que même lorsque vous entrez dans un centre commercial, on vous scanne comme si vous voyagez. Pourquoi? Parce que tous les jours, il y a des problèmes. Mais lorsque vous allez à Dubaï, vous ne tombez pas sur ce genre de cas, sur ce genre de contrôle, parce qu'il n'y a jamais eu de cas d'explosion de bombes. Dans la sécurité proportionnelle au voilà. L'État peut prévoir seulement quelques mesures minimales
Mais plus le crime augmente, plus l'État s'organise pour contrer ces crimes-là. Et en République démocratique du Congo, nous n'avons pas l'infrastructure qu'il faut. C'est parce que le crime aussi n'est pas très organisé comme ailleurs. Par exemple, si aujourd'hui une bombe doit exploser à Kinshasa, croyez-moi, toutes les autorités, tous les politiciens vont s'organiser pour faire des bonnes routes, pour mettre la sécurité dans les endroits qu'il faut, parce qu'ils verront que c'est leur vie maintenant qui est en danger. La vie des autorités, des décideurs, n'a jamais été en danger, raison pour laquelle ils ne prennent pas des mesures qu'il faut. Et parce que leurs enfants ne circulent généralement pas dans les... ils sont pas obligés de prendre des taxis, voilà. Et donc on n'a pas besoin de mettre... Alors si vous étiez président de la République, comment allez-vous faire pour régler la question de la sécurité ? Intérieur d'abord. Commencer, je le dis toujours, hein, pour résoudre un problème, il faut commencer par quelque chose qui va résoudre automatiquement les problèmes secondaires. On doit commencer avec les infrastructures, c'est très important. Il faut être en mesure de contrôler la population. On parle des recensements aujourd'hui, c'est un sujet que nous négligeons. On devait être en mesure d'identifier chaque citoyen congolais à travers son empreinte digitale, à travers sa carte. Si on voit la personne, on doit savoir que la personne vient de, je ne sais pas moi, de Kigoma, la personne habite à tel numéro, la personne est le fils de tel, il est de telle province, et voilà. Et puis, il faut s'organiser au niveau local. C'est très important. Quand nous grandissions dans les années 80, dans notre avenue, on était en mesure de connaître toute personne qui habitait dans cette avenue-là. On peut donner ce rôle-là aux chefs des avenues, aux chefs de quartier, qui doivent contrôler, qui doivent former des gardiens, des sentinelles. On doit savoir s'il y a un étranger dans votre avenue, le chef de l'avenue doit savoir, le chef de quartier doit être au courant. Ce sont de petites mesures qu'on peut mettre en œuvre avant même de passer à l'électronique, à l'électronique, au digital, aux infrastructures. Oui, c'est possible de s'organiser au niveau local et de résoudre ce problème-là de façon la plus simple. Alors, mais c'est vrai, au-delà de tout, est-ce que vous êtes d'accord avec j'appelle ça la vidéocratie maintenant, des crimes ou des criminels, la manière de publier la vidéo des criminels, de les interroger en direct, ainsi de suite. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou vous avez plutôt une autre idée pour protéger, parce que pour la plupart des cas, c'est les jeunes criminels qui ont 17 ans, 18 ans, qui ont fait des choses peut-être par adolescence, par le vent de l'adolescence, peut-être parce qu'ils sont victimes d'un système. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette histoire des vidéos, de filmer, de publier la vidéo des criminels? Je suis d'accord avec les vidéos qui consistent à dénoncer un mal dans la société. Par exemple, quand on filme les roulages. Oui. Parce que lorsque vous êtes arrêté, je vous donne un exemple, lorsque vous êtes sur le boulevard, je ne sais pas, c'est comme si les roulages s'arrangent à ce que le roulage qui organise le trafic soit court, pour que vous ne voyez pas. Et lorsque vous arrivez comme ça, par surprise, on tombe sur vous. Si, si. Et c'est votre parole contre la leur. Lorsque vous êtes au commissariat, malheureusement, ils mentent toujours. Vous voyez. Donc, je ne suis pas contre ce fait-là qu'on doit filmer ces gens-là pour dénoncer les mâles. Mais ce qui se passe avec les jeunes qui ont été arrêtés récemment, par exemple, vous allez voir un jeune attaché derrière, on les questionne, c'est une forme de torture. Que l'État interdit, malheureusement. Voilà, moi je ne peux pas cautionner la torture, parce que vous ne pouvez pas interroger quelqu'un comme ça, sous pression, en absence de son avocat, et puis vous filmer, et puis vous balancer la vidéo. Est-ce que la police a besoin de filmer elle-même, qui a déjà des criminels avec elle? Pourquoi elle filme et pourquoi elle diffuse la vidéo? Mais c'est simple, vous savez, je le dis toujours, hein, je le disais toujours à mes étudiants, quand une personne dit à tout moment qu'il n'est pas idiot, il essaye de démontrer à la face du monde qu'il n'est pas idiot, cela veut dire qu'au plus profond de lui, il croit qu'il est idiot. C'est la même chose avec notre police. Notre police est incompétente. Notre police ne fait pas bien son travail. Raison pour laquelle elle filme, elle veut montrer au monde qu'elle est en train de faire le travail qu'elle ne fait pas. Lorsque vous allez vers Tchangou, vous allez voir une concentration de policiers. Personne ne filme, mais ils tombent tous sur les transporteurs parce qu'ils vont avoir 500 000 francs. Mais personne n'est là pour réguler les embouteillages, par exemple. Donc, ils essayent toujours de monter. Ils sont dans le show. Ils sont toujours dans le show et voilà, c'est ce qui déçoit. Ils ne font pas très bien leur travail, c'est la seule explication. Alors, quittons la police pour parler des infrastructures, avant de parler du discours. Vous avez été le premier, si pas parmi les premiers, à critiquer cette affaire de 100 jours. Aujourd'hui, il y a eu ce débat que finalement, les faits vous ont donné raison. Est-ce que c'est pour vous un motif d'encouragement personnel ou c'est plutôt un motif de tristesse pour dire pourquoi on ne m'a pas écouté? Pourtant, j'avais averti que ça allait mal déjà cette histoire. Non, mais tristesse parce que l'économie de Kinshasa a régressé.
je suis d'avis que Kinshasa produit peut-être un tiers de son PIB depuis que cette affaire des sauts de moutons a commencé. Non seulement les sauts de moutons ont ralenti la circulation des biens et des personnes, mais beaucoup de gens aussi ont fait faillite dans ce processus. Aujourd'hui, moi, j'ai fait beaucoup de choses vers Tchangou, et lorsque je quitte Tchangou pour venir ici, c'est triste de voir des centaines, des milliers de gens marcher à pied pour venir en ville. Ces gens-là, lorsqu'ils arrivent en ville, j'ai des employés, des travailleurs qui habitent à Tchangou. Ils ne sont plus performants, ils sont fatigués, ils transpirent, ils sentent mauvais, c'est pas bon pour l'entreprise. Et ils pensent c'est quelque chose que rentrer, quoi. Voilà, c'est quelque chose que je déplore. Et puis vous avez pitié pour eux, parce qu'à la fin, de la journée, ils doivent encore passer par des embouteillages, des barrières de la police pour arriver à la maison peut-être à 23h et quitter encore à 6h du matin. C'est aussi une forme de torture et ça a duré 2 ans. Et on ne sait toujours pas quand est-ce que ça va finir, malheureusement. Est-ce que vous regrettez, c'est un sentiment de tristesse. Est-ce que vous regrettez le fait qu'on a jeté l'argent on a jeté l'argent, on a gaspillé l'argent ou on justifie plutôt l'argent qu'on a volé? Non mais écoutez, d'abord, ils pouvaient faire des routes parallèles. On n'avait pas besoin de faire des sauts de moutons sur le boulevard qui existait déjà. On pouvait créer une route vers le fleuve ou encore vers Ndjili Brasserie qui pouvait nous emmener vers Ntsele ou je ne sais pas moi, vers Tchangou. Et c'est après qu'ils pouvaient envisager maintenant faire les sauts de moutons. Le deuxième point est qu'ils ont placé des sauts de moutons au mauvais endroit. Aujourd'hui, les embouteillages se créent beaucoup plus vers Kimbuta et quartier 1, là où il n'y a pas de sauts de moutons. Cela veut dire que même s'ils finissent les sauts de moutons, on aura toujours des problèmes sérieux au niveau des Kimbuta et d'Ndjili Brasserie. Les études n'ont pas été très bien faites. Et bon. Voilà, c'est ce que nous déplorons. Un gaspillage, mais bon, espérons qu'ils vont se racheter pour voir comment réguler ces embouteillages-là une fois que les sauts de moutons finissent. Alors, les gens n'ont pas, les gens ne savent toujours pas où vous catégoriser. Est-ce que vous êtes dans la Mouka aujourd'hui? Est-ce que vous êtes dans Cash? Est-ce que vous êtes dans FCC? Est-ce que vous êtes un observateur passif ou vous êtes un observateur actif? Je suis actif, je ne suis pas passif et je ne comprends toujours pas pourquoi est-ce que on doit me catégoriser. Je ne sais pas. Si j'avais déposé ma candidature à la présidence, vous savez, je pouvais prendre mon argent, aller soutenir n'importe quel candidat. Si j'avais déposé ma candidature directement à la présidence, c'est parce que déjà à la base, je n'étais pas d'accord avec ce qui se faisait sur la scène politique. Je m'étais dit qu'il était possible de tracer une autre voie, de donner une nouvelle forme d'espoir à la jeunesse, à la population, et c'est ce que j'avais fait. Et la première étape a été franchie. Maintenant, je me concentre pour lancer mon parti politique et franchir la deuxième étape qui va consister à structurer les choses et puis créer une dynamique collective, un combat collectif qui va nous permettre, pourquoi pas, d'avoir au moins 250 députés en 2023. Vous êtes candidat et quand Félix Tshisekedi a été proclamé, vous ne vous êtes pas opposé, malheureusement, vous n'avez pas soutenu, malheureusement, Martin Fayoulou dans sa lutte de vérité des urnes, mais vous n'avez pas non plus accompagné Martin Fayoulou dans sa lutte de vérité des urnes. Vous disiez plutôt que le processus tout entier était mauvais et que le résultat était probant, était normal que ce soit ce qui a été. En réalité, c'était quoi le fait? C'était le processus qui ne vous garantissait pas ou c'était déjà un jeu joué à l'avance? On avait compris à un certain point que c'était un jeu joué en avance, raison pour laquelle j'avais demandé le report. J'étais le seul candidat à avoir demandé un report. J'ai été d'ailleurs vilipendé, insulté pour cela. Mais je crois qu'aujourd'hui, les faits me donnent raison. Parce que j'avais analysé la situation dans son entièreté. J'avais compris que nous n'allons pas obtenir l'alternance qu'il faut. Je ne voulais pas assez que la violence puisse naître de la contestation qui aurait eu après la proclamation des résultats. Mais lorsqu'on a proclamé les résultats, j'ai été reçu par Félix Tshisekedi. Nous avons discuté, raison pour laquelle j'étais allé à la prestation des serments qui était très controversée. Et je m'étais dit que voilà, c'est une occasion pour nous au moins de tourner la page, on doit avancer. Moi, je suis homme d'affaires, je dois penser à l'économie du pays. Tout ne doit pas être politique. Déjà, la préparation des élections, le processus nous a pris 3 ans. Pendant ces 3 ans, nos chiffres d'affaires étaient au niveau minimum. Alors je m'étais dit que voilà, puisque nous avons une semi-alternance, pourquoi ne pas avancer? Je suis allé le soutenir, même si aujourd'hui les gens de l'UDPS et du Cash m'insultent,
Mais ce jour-là, la RTNC m'avait filmé debout sous le soleil, même si on m'avait donné un siège après, mais c'est l'image que les gens ont retenue. J'étais allé soutenir le président de la République. J'avais aussi vu Martin Fayoulou pour lui dire que s'il veut mener son combat pour la vérité des urnes, ça devrait être un combat collectif. J'avais parlé avec lui et voilà, il a fait son combat pour les urnes et voilà, nous sommes là où nous sommes. Est-ce que vous avez entendu ou pas Martin Fayoulou? Je crois que dans la stratégie, le combat était collectif. Il a mené un combat collectif et je crois qu'il a pu atteindre ses objectifs parce que sa voix a été entendue. Aujourd'hui, quand on dit vérité des urnes, ça porte la signature de Martin Fayoulou et voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que Félix a déçu? Pensez-vous qu'il est en train de se perdre lui-même? Quel est le problème aujourd'hui? 2 ans après le mandat, on n'a toujours pas des moyens conséquents, les infrastructures sont toujours pas présentes. On va dire que les écoles, bien qu'elles gratuites, mais c'est vraiment un vrai scandale à ce niveau. La banque, elle est toujours enfin, je ne vais pas dire la perdition. L'économie est toujours en train de traîner, on est toujours dans les mines qui ne rapportent pas beaucoup. Qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui, 2 ans après, quand vous regardez la gestion de Félix Tshisekedi? Écoutez, nous sommes... Moi, j'aime faire l'empathie. L'empathie est très importante. Ça me permet aussi d'avancer dans le business. J'ai toujours enseigné l'empathie à mes étudiants. L'empathie veut dire regarder la situation à travers les yeux d'une autre personne. Donc, avant de décider, avant de parler, je me mets dans les chaussures de Christian Bossembe. J'essaie de réfléchir comme Christian Bossembe. Aujourd'hui, je me dis que Félix Tshisekedi est au milieu de la route. Cela veut dire qu'il a fait 2 ans. Il lui reste à peu près 2 ans aussi. Ouais. Il a la possibilité de regarder derrière et puis de regarder devant. Alors, je me dis que c'est vrai qu'économiquement, nous sommes dans une catastrophe. Ça n'a pas marché. Et puis, malheureusement, il y a la COVID qui est venue empirer les choses. Mais il y a 2 scénarios par rapport à tout ce qui se passe. Je commence avec le scénario le moins probable. Et là, j'attaque directement le discours du président parce qu'il a tenu un discours dans ce sens. Je me dis que le président, par rapport à son discours, ça c'est le premier scénario, mais c'est le moins probable, j'insiste. Le président, par rapport à son discours, se trouve vraiment dans le pétrin. Raison pour laquelle son discours, c'était en réalité un cri de détresse qu'il a lancé à la classe politique. Il a dit, voilà, j'avais embarqué dans un bateau, et le bateau est en train de couler. Venez nous aider. Et nous sommes là au port. On s'est dit, mais on vous avait demandé de ne pas monter dans ces bateaux-là. On savait que ça allait arriver. Dans ces bateaux-là, il n'y a pas que le président, il y a aussi les FCC. Alors, en tant qu'acteur politique, en tant qu'adversaire d'hier, la question que je me pose automatiquement, c'est, mais pourquoi aider un adversaire politique qui coule? Parce que s'il coule, d'ailleurs, il y aura des opportunités pour nous tous. Parce que quand deux puissances s'affrontent, se neutralisent, il y a toujours une troisième puissance qui émerge. À la fin de cette crise-là. C'est comme ça que les États-Unis sont devenus puissance mondiale après le choc entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Et l'Allemagne, pardon. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est le scénario le plus probable, selon moi. Ils sont dans le bateau, mais ils font semblant de nous dire que le bateau est en train de couler pour nous embarquer tous. Parce qu'ils savent que là où ils vont, peut-être que ça sera un endroit très controversé, peut-être que nous serons contre. Et le seul moyen pour eux d'atteindre ces objectifs, c'est de nous embarquer tous. Toute la classe politique, venez, montons dans ces bateaux et puis voilà. Et je dis que c'est le scénario le plus probable parce que moi, je ne vois pas de problème entre Félix Tshisekedi et Kabila. Je vois plutôt un problème entre Félix Tshisekedi et le FCC. C'est comme si Félix Tshisekedi et Kabila sont en train de jouer au bon et mauvais policier. Kabila lui a dit, tu sais quoi, je vais me débarrasser de mes états-majors. Toi, tu peux le faire. Et Félix Tshisekedi aussi, puisqu'il était convaincu qu'il pourra battre le FCC de l'intérieur, il reste convaincu qu'à travers ces scénarios, il pourra se débarrasser du FCC. Parce que je crois que ça, c'est mon opinion personnelle après analyse. Kabila n'avait pas créé le FCC pour être le patron de Nehemi Moulania, pour être le patron d'Emmanuel Chadari, pour être le patron d'Albert Yuma. Kabila avait créé le FCC pour être le patron de tout le monde. Le patron de Seth Kikuni, de Christian Bossembe, de Félix Tshisekedi. Ah, pas bon, en tout cas. Hein. Non, mais... Ah, là, je fais de l'empathie. Oui, allez-y. Voilà. Donc, il avait créé le FCC pour être le patron... De tout le monde.
de tout le monde. Et lui, ça lui arrange aujourd'hui de définir tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est Kabila qui a défini le contenu de l'alternance que nous avons aujourd'hui. C'est Kabila qui a interprété, réinterprété la constitution que nous avons aujourd'hui. C'est Kabila qui continue à définir certaines choses. Et Félix Tshisekedi dit, puisque lui, il savait qu'en entrant dans le système, il pourra se débarrasser de tous ces gens-là, de tous ces prédateurs-là qui sont autour de Kabila, lui aussi, il est à l'aise dans son rôle. Donc moi, je suis d'avis que les deux s'entendent parfaitement et ils ont créé ce scénario d'un bateau qui coule justement pour permettre à Félix de se débarrasser des états-majors de Kabila, avec l'accord de Kabila, bien sûr. Ça va aussi permettre à Félix Tshisekedi de se débarrasser de certains de ses proches qui ne l'ont pas aidé dans le processus. Ah, mais pour quelle finalité? On ne sait pas. Parlons du deuxième scénario. Oui. Qui est imaginez plus que, voilà, imaginez que Jean-Pierre Bemba, Adolphe Mouzito, Moïse Katumbi et peut-être Martin Fayulu entrent dans le gouvernement. Qu'est-ce qui va se passer? Pensez-vous que si on dit qu'en 2023, il n'y aura pas d'élection, il y aura plusieurs contestations? Non. D'ailleurs, Jean-Pierre Bemba, s'il devient Premier ministre, par exemple, c'est un scénario. C'est le politicien qui n'a presque plus rien à perdre dans ce pays. Il n'a pas d'ambition présidentielle. Il peut se contenter à jouer n'importe quel si, rôle. Si, le MLC dit qu'ils vont, ils vont refaire la carte. Ils se battent pour changer la loi électorale. D'ailleurs, ils n'ont même pas, je récite le prof Joly, il dit qu'ils n'ont même pas besoin de se battre pour ça parce que c'est un chiffon. L'arrêt de la cour va être attaqué et puis ils vont changer la donne. Ils ne vont pas prendre compte de ça. Je ne pense pas que ce soit possible, d'ailleurs avec quelle majorité, parce que le FCC ne sera pas prêt à avoir d'autres concurrents, surtout des concurrents à la taille de Jean-Pierre Bemba, je ne pense pas. Vous ne croyez pas à la aux consultations parce que les consultations visent, pour les chefs de l'État, visent à requalifier la majorité parlementaire. C'est un processus que je ne conseillerais pas au président. Vous ne pouvez pas... Vous entrez dans cette démarche-là, vous requalifiez la majorité, mais pour quelle fin? Vous ne pouvez pas travailler avec les gens qui ont trahi leur camp pour venir dans votre camp. Ce sont des traîtres, à la fin, ils vont aussi vous trahir un jour. Mais c'est en politique. Le réalisme politique veut que nous puissions travailler avec les forces en présence. Non, mais vous n'allez pas avancer comme ça. Parce que si quelqu'un quitte son camp politique, il débauche, donc il y a débauchage, il vient chez vous, cette personne-là est un traître. Il va aussi vous trahir. Si, mais avant qu'il vous trahisse, vous aurez résolu vos problèmes. D'abord, et puis vous allez faire un genre. En fait, parce que pour le président, quand il dit réqualification de la majorité parlementaire, il pense à la réorganisation de l'action gouvernementale. Pour lui, je pense, il s'est dit, un scénario que je me dis aussi, on change la majorité parlementaire. Comme la bataille est parlementaire, j'ai des députés, ça me donne la possibilité de changer les choses, et ça me donne la possibilité d'avoir un gouvernement à moi. Avec cette nouvelle majorité-là, bien évidemment. La majorité que j'aurai, on pourra trouver des gouverneurs, des ministres, ainsi de suite, qui vont mieux opérer sous mes ordres que sous les ordres de leur parti politique. Mais là, en ce moment-là, le FCC est dans l'opposition. C'est vrai que vous n'avez pas totalement tort, mais qu'est-ce qui vous dit que... Parce que moi, je suis un peu... Sceptique. Ou très exigeant. Très exigeant, parce que j'ai plusieurs questions, en fait. C'est le moment pour nous, nous jeunes, de nous poser des bonnes questions. Oui. Pour aider aussi le président. On ne doit pas réfléchir comme nos vieux de 60 ans, 70 ans qui aujourd'hui... Je suis les informations, hein, je vois certains politiciens plus vieux que nous réfléchir. Ça fait pitié. Ça fait pitié au fait. Tu t'es dit que voilà, cette personne veut juste avoir un poste parce qu'il est prêt à aller en retraite, il ne sait pas comment, il ne saura pas comment subvenir à ses besoins. Je vois des professeurs de droit constitutionnel parler comme des étudiants de première année. Je ne sais même pas après comment est-ce qu'ils vont enseigner encore le droit constitutionnel à l'université. Mais bon, ça dépend de votre niveau constitutionnel pour juger un professeur constitutionnel. Non, mais écoutez, le droit constitutionnel, ce n'est pas la religion. Moi, j'ai étudié les sciences politiques. Les sciences politiques sont nées du droit constitutionnel. Les sciences politiques ont été inventées pour corriger et compléter le droit constitutionnel. Alors, quand on dit droit constitutionnel, on regarde ce qui est écrit, vous n'avez pas besoin du REMA pour comprendre le droit constitutionnel. Quand si, on dit mais il y a l'esprit de la loi. Non, mais... Montesquieu parle mais cet esprit-là de la lettre et l'esprit de oui, la loi. Mais cet esprit-là, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Cela veut dire qu'on commence d'abord avec ce qu'on voit. Quand on dit que la RDC dans ses frontières est un État indivisible, c'est ça, vous n'avez pas besoin de chercher au-delà. C'est Kabila qui a inventé des jurisprudences qui nous coûtent cher aujourd'hui, justement. On ne veut pas de cela parce que la Constitution...
C'est vrai que c'est rédigé par les experts en droit constitutionnel, mais à la fin, ça reste un contrat social. Et ces contrats-là, c'est le souhait généralement des acteurs sociaux et des politiciens qui ne sont pas forcément des juristes. Alors, mais dites-nous, voilà. comment défaire la force de Kabila, selon vous? Parce que je suis tenté de vous dire, si vous étiez président de la République, qu'alliez-vous faire? Parce que vous, par exemple, ça allait être encore pire, parce que vous n'aviez pas un parti politique. Vous seriez président sans député, sans sénateur, sans gouverneur. Qu'allez-vous faire pour tenir, si jamais la chance vous avait souri? C'est vrai que moi, je ne condamne pas trop la démarche de Félix Tshisekedi. C'est que moi, je lui reproche. Excusez-moi. C'est que moi, je lui reproche, c'est... Vous voulez de l'eau? Non, ça va, merci. C'est le narratif, le discours qui attise un peu le feu. Vous savez, quand ce pays a été créé, ça a été créé comme une entreprise privée de Léopold II. Après, Léopold II avait commis tellement de crimes que les États-Unis et la Grande-Bretagne avaient décidé à ce que Léopold II puisse céder l'État à la Belgique. Quand la Belgique a pris le Congo, la Belgique n'a pas directement attaqué Léopold II. La Belgique a tout simplement dit, la Belgique, nous souhaitons faire mieux que Léopold II. Vous savez, le problème, c'est les discours que le président de la République tient par rapport à son collaborateur, par rapport au passé de son collaborateur. Lorsque vous dites que vous allez instaurer l'état de droit, vous êtes en réalité en train de dire que l'état de droit n'existe pas, ça n'a jamais existé dans ce pays. Oui. C'est quand même une insulte pour ton collaborateur. Mais est-ce que c'est faux? Et puis, dans le processus jusque-là, il n'y a que les extrémistes qui ont pris la parole. On a entendu qu'il y a des extrémistes, eux du côté du CACH et du côté du FCC. C'est ce qui dérange, au fait. Et pourquoi j'ai dit que Kabila et Félix Tshisekedi s'entendent très bien? Parce que petit à petit, nous avons vu que ces extrémistes-là ont été écartés. Du côté FCC et du côté CACH, UDPS, Jean-Marc Kaboun ne s'exprime presque plus. C'était la voix la plus extrémiste. Du côté FCC, Emmanuel Chadari ne s'exprime presque plus. Je crois que des deux côtés, ils essayent de trouver un accord et ils essayent de nous embarquer dans quelque chose où nous allons tous peut-être penser à l'avenir du pays. Parce que le président parlait de l'union sacrée. C'est un terme politique. Vous savez, l'union sacrée intervient lorsque la patrie est en danger. Mais la question que je te pose, est-ce que notre patrie est en danger en ce moment? Selon Félix Tshisekedi, oui. Non. Ce qui est en danger, c'est le quinquennat de Félix Tshisekedi. Ce qui est en danger, c'est la carrière politique de Jean-Marc Kaboun. C'est la carrière politique d'André Mbata. Ce n'est pas la carrière politique de Seth Kikuni. La patrie n'est pas en danger. Dans le cas de Minembwe, la patrie serait en danger. On pouvait parler d'une union sacrée. Mais dans ce cas précis... Ça nous implique. Mais ça nous implique. Mais s'ils échouent, s'ils n'ont pas un bilan en 2023, moi je viendrai pour critiquer ce bilan, elle a proposé mieux. Mais ce que vous oubliez, c'est que si ça ne marche pas, ils auront leur CENI à eux, on va reproduire le même système. Ça veut dire qu'on aura des faux députés, on aura des faux présidents, on risque de reproduire la même bêtise. Voilà pourquoi on dit que si le pays est en danger, travaillons maintenant pour empêcher que ce que nous décrions aujourd'hui se reproduise en 2023. Voilà, on veut bien travailler ensemble, mais il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de nous. Oui. Déjà, on ne sait pas si le président de la République... Parce que quand on dit consultation, moi je suis chef d'entreprise, je consulte mes employés. Parfois je consulte mes employés pour quelque chose, pour des décisions déjà prises en amont. J'ai déjà décidé, mais en fait je cherche une forme de légitimité, je veux justifier ma décision, alors je fais semblant d'écouter tout le monde, et puis pan, je bombarde. Ouais. Et là, en ce moment-là, personne ne peut dire que voilà, je n'ai pas été consulté, ça implique tout le monde, même si la décision n'est pas la bonne. Parce que le président cherche des avis. Voilà, c'est ce qui fait peur. On ne sait pas si le président de la République a déjà décidé, s'il a déjà pris sa décision, parce que le président de la République sait exactement ce qu'il veut, il sait exactement là où il va. Et je pense que, dans leur calcul, ils veulent quelque chose de bien pour le pays. Je pense, parce que, vous savez, moi j'ai rencontré Félix Tshisekedi pendant la campagne. Je le dis toujours, hein, je le critique, j'ai dit tout ce que j'ai dit. Mais c'est une bonne personne. Peut-être qu'il a changé, mais c'est une bonne personne. Il a ce côté-là naïf qui est
très important pour le leader qu'il souhaite être. Il est, c'est une bonne personne en réalité. Est-ce que vous l'avez rencontré après le mandat, disons, après la, pendant qu'il est président de la République? Oui, bien sûr. Oui, vous l'avez rencontré. Vous nous avez invité à la cité de l'OUA. Est-ce que avant vous l'avez rencontré, avant qu'il soit président? Oui, je l'ai rencontré 3 fois. Elle était venue nous demander de désister. Ensuite, on a parlé au téléphone à 3 reprises. Et puis, quand il a été proclamé président, il était à Béatrice. J'étais chef de la délégation de tous les candidats présidents de la République qui étaient allés le voir. C'est moi qui avais pris la parole, le seul à avoir pris la parole d'ailleurs, pour parler au nom de tout le monde. Et après, nous avons été invités à la cité de l'OUA où nous avions longuement discuté. Est-ce que la personne a changé? Cette même personne que vous avez rencontrée pendant toutes ces étapes-là, c'était toujours la même personne avec les mêmes caractéristiques? C'était la même personne, parce que la dernière fois que je l'ai vue, c'était à la cité de l'OUA. C'était la même personne. Je ne peux pas dévoiler les contenus de la conversation qu'on avait eue, mais c'était la même personne, une personne déterminée, une personne qui semblait savoir où il voulait aller. Est-ce que vous avez rencontré un homme qui sait de quoi il s'agit? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un qui sait, qui comprend le problème du Congo? Est-ce que vous avez rencontré un monsieur préoccupé de la situation du pays? Ou vous avez rencontré, comme Hillary Clinton l'a dit, un monsieur évasif, un monsieur perdu dont le mandat est compliqué? C'est Hillary Clinton qui disait par rapport à Kabila. Non, c'est quelqu'un qui a d'abord l'amour du pays, qui pense qu'il peut faire vivre l'héritage de son père à travers sa présidence. Ça veut dire qu'il peut accomplir le rêve de son père, parce que son père a quand même beaucoup donné à ce pays. Il se dit que voilà, à travers le fils, le rêve du père peut se réaliser. J'ai vu quelqu'un qui est quand même patriote, qui aime ce pays et qui, dans ses calculs, était sûr qu'il pourrait se débarrasser du FCC en étant président, pas en dehors du système. Vous pensez qu'il réussira cette mission de se débarrasser de Kabila, de défaire l'empire de Kabila, vous pensez? S'il est réellement dans le pétrin, comme je l'ai dit, et s'il a besoin de l'aide, pendant ses consultations, je crois qu'il doit faire une chose importante. Il doit d'abord dire aux gens qu'il rencontre ce qu'il a appris et compris de cette coalition. Très bien. C'est très important. C'est comme ça que les gens pourront l'aider. Parce que s'il garde les informations pour lui-même et qu'il demande simplement des avis, nous, finalement, nous sommes à l'extérieur. On ne sait pas ce qui se passe réellement là-bas. On ne sait pas de quoi il s'agit. On ne pourra pas l'aider dans ce sens-là. Et je pense que s'il s'ouvre à tous, il écoute tout le monde comme un chef d'entreprise écoute ses employés pour résoudre un problème de l'entreprise, il pourra résoudre ce problème-là, pourquoi pas? Vous pensez que certaines personnes disent qu'il doit être en mesure de dire quel est le deal qu'il a fait avec Kabila, c'était sur quel bout de papier, quels sont les termes de ce deal et comment il veut qu'on l'aide? Est-ce que vous pensez que c'est important qu'il dise? Est-ce que vous, d'abord, vous croyez qu'il y a eu un deal et qu'il faut les dénoncer, ou vous pensez qu'il doit garder la logique telle que vous le dites là, tout simplement dire les leçons qu'il a apprises lui et... Bon, vous savez, par rapport au deal, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, hein, mais ce n'est pas très difficile de savoir de quoi il s'agit. Moi, je l'ai dit, c'est mon analyse, que Kabila se considère comme... le chef de Félix Tshisekedi. Chef d'entreprise. Donc, la République démocratique du Congo est une entreprise et ça lui appartient, c'est lui qui décide surtout. Il avait créé la chose avec cette idée-là. Félix Tshisekedi aussi s'est dit que voilà, non, ce pays nous appartient à nous tous. Moi, je peux créer un peu d'espace pour tout le monde pour que nous puissions travailler. Et les deux sont d'une certaine manière d'accord. Ils veulent travailler ensemble. Et je pense qu'ils veulent le faire pour le bien de la République démocratique du Congo. Kabila a un bilan très négatif. Les 18 ans passés. Ça, on doit toujours le dire. Mais peut-être que le jour où on lui donnera sincèrement la parole, il pourra nous expliquer pourquoi est-ce que le bilan était si négatif. Parce qu'il a dit qu'il n'avait pas 15 de... il a dit qu'il n'avait pas 15 personnes, plus de 15 personnes pour l'aider. Non, mais il a un empire financier qui est très, très, très ultra prospère. Il travaille avec qui? On dit que c'est faux, cette histoire. Non, mais comme Maman Olive, à l'Est et là-bas, distribue des millions, il fait tout ce qu'il fait, il fait avec quel argent? C'est la fondation, il dit ça. Quelle fondation? Maman Olive a une fondation, il a des entreprises. Fondation Olive Lembe. Fondation Olive Lembe, mais il est beaucoup plus affilié aux entreprises. Tout ce qu'il dépense là-bas, ça vient de ces entreprises ou encore de l'argent qu'ils ont pu amasser pendant qu'ils étaient au pouvoir. Alors si quelqu'un arrive à amasser autant d'argent, c'est qu'il a des collaborateurs.
Après la locution du président de la République, est-ce que vous avez dit que le discours n'était rien d'autre que le plan Lamouka réactivé? Oui, c'était l'impression que j'avais eue en écoutant ce discours-là. Et cette impression s'est basée sur quoi exactement? Lamouka avait dit la même chose après Genève, que nous allons prendre le pouvoir. Des ans après, nous allons tout refaire. Cela veut dire que Lamouka ou Martin Fayulu voyaient, selon lui, que le FCC, le problème c'était d'abord le FCC, qu'on ne pourrait rien faire avec le FCC. Donc il avait dit, on se débarrasse d'abord du FCC, on fait le reste après, voilà, on fait le reste après. C'est ce qu'il avait dit. Et le discours de Félix Tshisekedi nous a donné cette impression. Deux ans aussi. Hein. Deux ans après, voilà, je suis bloqué, qu'est-ce qu'on fait? On refait tout, et puis on va... Parce que le FCC est en train d'agoniser en ce moment, ça on doit aussi le dire. Le FCC n'a pas de marge de manœuvre. Tout ce que le FCC fera en ce moment, ça va simplement l'enfoncer. Mais ils ont dit qu'ils ne respecteront pas les juges qui ont prêté serment, le FCC. Le FCC a dit qu'ils ne vont pas reculer, même pas un peu. Mm-hmm. Le FCC a dit qu'ils n'ont pas besoin d'aller voir Félix Tshisekedi pour quoi que ce soit. Ils sont en alliance, ils doivent continuer leur alliance. Mais ça ne dépend pas du FCC, ça dépend de Kabila, c'est ce que j'ai dit. Si Kabila est déterminé à se débarrasser de tous ses états-majors, Félix Tshisekedi continuera à jouer le rôle de mauvais policier et Kabila le bon. Kabila dira non, 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 je vais arranger ça. Félix Tshisekedi va continuer à les éjecter du système. Regardez ce qui s'est passé à Célestin Tounda. Il a dit Yemé, qu'est-ce qui s'est passé? Il est au chômage. Aujourd'hui, il regrette. Mais le Premier ministre, il bloque encore. Il ne veut pas démissionner. Non, mais c'est parce que. Kabila ne veut pas encore. Il y aura un temps pour ça. Félix Tshisekedi a tenu un discours. On doit voir après les consultations quelle est la décision qu'il prendra ou quelle est cette décision qui déjà prise qu'il va nous dévoiler. Est-ce que vous ne craignez pas que, par exemple, ce vendredi, qu'il n'y ait pas conseil des ministres? Parce que je crains qu'il n'y ait pas conseil des ministres, parce que étant donné que les consultations n'ont pas encore pris fin. Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce que le président va dire avec le Premier ministre? Est-ce que le Premier ministre et les membres du gouvernement qui n'étaient pas présents lors de la prestation, auront-ils le courage de débattre des questions avec un chef qui désavoue? Est-ce que lui-même, le président, sera-t-il vraiment heureux ou sera-t-il fier de partager avec ceux qui ne lui reconnaissent pas le leadership? Bon, je l'ai dit au début, Félix Tshisekedi sait ce qu'il fait. Parce que le plus grand absent, ce n'était pas le Premier ministre, même le chef d'état-major général n'était pas là. Normalement, quand un chef d'état-major s'absente dans de telles cérémonies, le lendemain, le président peut le virer. Mais Félix Tshisekedi n'a rien fait. C'est pourquoi je vous dis qu'il se peut que cette crise soit une crise montée de toutes pièces et entretenue par les deux personnes pour que cette décision-là que nous attendons puisse être, soit prise. Alors, je vous trouve assez hésitant. Vous attendez que le chef de l'État parle d'abord, dévoile les conclusions de ces consultations, mm-hmm. et puis ça vous donnera certainement une idée sur ce que vous étiez en train de vous dire. Non, j'attends deux choses. Ah, ok. La première chose, c'est le chef de l'État, jusque-là, il ne nous a pas dit clairement là où il veut nous emmener. On dit état de droit, tous ces concepts-là que nous connaissons, mais il ne nous a pas encore expliqué c'est quoi la conception de l'état de droit, selon lui. C'est la démocratie. Parce que dans le processus, on voit quand même certaines violations. Et quand on pose la question, il y a un argument ridicule qui émerge de sa famille politique qui dit que Kabila aussi avait fait la même chose. Ce n'est pas parce que Kabila avait fait de mauvaises choses qu'on doit copier Kabila. Donc, on ne peut pas corriger des anomalies en créant d'autres anomalies. C'est ce qui me fait peur. Raison pour laquelle je vais d'abord comprendre. Je m'attendais à cela dans ce discours-là. Voilà, peuple congolais, moi, je veux qu'on aille, qu'on prenne cette direction, je veux faire ça, 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 ça. Mais il ne l'a pas dit. Il a été un peu, diplomatique. Il a tenu un discours très diplomatique et il ne nous a pas expliqué là où il veut nous emmener. Raison pour laquelle c'est encore très difficile. Même quand il dit qu'il prendra des décisions qui ne vont exclure aucun cas de figure, ça ne vous rassure toujours pas? Je ne sais pas quoi dire. Parce que, même quand il dit qu'il faut réévaluer, changer le gouvernement tout entier, là, il parle de l'action gouvernementale, ça ne vous rassure toujours pas? Non, mais changer le gouvernement, oui, mais pour quel but? Pour quel but? Je vous ai donné un exemple. Vous prenez Jean-Pierre Mbaye, vous faites de lui Premier ministre, il n'a rien à perdre. Vous prenez Moïse Katumbi, Fayulu, tout le monde dans le gouvernement. Tout le monde est dans le même bateau. Ça veut dire que le jeu va changer complètement. Il n'y aura plus de contestation au cas où
on aurait un problème en 2023. On dit par exemple qu'on décale les élections d'une année, mais qui va lever sa voix pour... Parce qu'ils sont d'ailleurs dans le système, ils sont dans le jeu. Mais c'est ce qu'il connaît. Étienne Tshisekedi était avec Mobutu dans le même bateau. Quand il a vu que ça n'allait pas, il est sorti, il dit non, je ne suis pas d'accord avec vous. De la même manière aussi, les G7 étaient avec Kabila dans le même bateau. Quand ils ont estimé que ça ne marchait pas, ils sont partis. Mais Katumbi a fait la même chose. À quel prix? À quel prix? Quels ont été les résultats? Quelle a été la conclusion? On n'a pas pu résoudre les problèmes, on les a placés dans les placards. Aujourd'hui, ça ressort toujours sous forme de zombies. Et on s'inspire toujours de ces mauvais exemples-là qui ne nous permettent pas d'avancer. Mais si c'est Kikuni, si tous nous voulons le développement de ce pays, si le chef de l'État a besoin de vous particulièrement pour l'aider, par exemple dans le côté entrepreneurial ou dans le côté de l'éducation, dans le côté des affaires parce que vous êtes très fort, s'il a besoin de vous, est-ce que vous refuserez pour protéger une contestation ou vous allez d'abord mettre votre intelligence pour sauver le pays? Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, vous et Martin Fayulu, si vous êtes tous dans un gouvernement où nous pensons que c'est pour résoudre le problème, où est le mal? Non mais écoutez, il y a deux façons d'aider une personne. Okay. C'est ce que j'ai appris dans l'entrepreneuriat. Tu as besoin de trois personnes pour réussir. Tu as besoin d'un ami qui t'encourage à fond. Tu as besoin d'un ami qui te décourage. Qui te décourage pas, qui t'énerve au fait. Tu vois cet ami-là, quand tu es Christian Bossembo, tu dis, ah, je vais faire ma chaîne. C'est pas parce qu'il te déteste, il dit, ah, voilà mon moto, comme ça la montée. Et ça t'énerve, tu dis, je vais prouver que je peux faire ça. Et vous avez besoin d'un ami. Moi, dans cet exemple, je ne suis pas un ennemi à Félix Tshisekedi. Je suis cet ami-là qui énerve. Je lui dis simplement la vérité. Parce que j'ai toujours été à ses côtés chaque fois qu'il avait besoin de moi. Je suis cet ami-là qui énerve. C'est pourquoi j'ai dit la vérité. Et être ministre ou être dans le système, ce n'est pas la seule façon d'aider Félix Tshisekedi. Je peux le faire aussi à travers ce que je fais. Parce que quand je dénonce, par exemple, Minembwe, quand je dénonce le fait qu'il avait tenu la main de Kagame, moi, je ne pense pas que... Vous savez, si j'étais à sa place... Parce que ça avait fait beaucoup de buzz le jour où j'avais dit que voilà, il a tenu la main de Kagame, il ne doit plus nous saluer avec cette main-là, c'est la main qui tient la première dame et tout et tout. Si j'étais à la place de Félix Tshisekedi, j'allais appeler Kagame pour lui dire, tu vois, pour avoir tenu ta main, la classe politique chez moi conteste, ils sont contre. Il allait se mettre en position de force par rapport à Kagame. Ou alors, que voilà, je suis en train de m'ouvrir à toi, de faire une certaine faveur, tu dois faire aussi le pas, parce que je le fais contre la volonté de mon peuple, mais je veux qu'il y ait la paix. Ou alors, ça allait être un président qui pleurniche, qui ne sait pas mater les contradictions chez lui. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que le rôle de l'opposition, le rôle de la classe politique, c'est contrôler le président, enfin, l'exécutif d'une certaine manière, à travers parfois la dénonciation de ce que nous ne trouvons pas très clair par rapport à la politique étrangère ou la politique intérieure. Donc moi, j'allais dire à Kagame tout simplement que voilà, je l'ai fait, mais dans mon pays, ils sont contre. Donc tu dois prendre cela comme une faveur, un pas très important. Est-ce que vous êtes consultable? Vous êtes preneur aux consultations? Si oui, quels sont vos préalables? Bon, je suis un enfant de ce pays. Je suis patriote, je veux le bien de ce pays et je suis ouvert à toute éventualité. Mais il faut que le président lui-même puisse avoir besoin de mon avis. Et si c'est pas à moi de forcer la porte, de frapper à la porte, voilà, je veux me faire consulter. Non, c'est à lui de penser, de dire que voilà... Il y avait aussi un Seth Kikuni qui tweet beaucoup, qui parle beaucoup, qui fait parfois des analyses pertinentes, qui écrit sur sa tribune, que je lis, qui passe à la télé. Bon, je peux aussi les consulter s'il le dit. Tant mieux, on ne peut pas refuser l'invitation d'un président de la République. Et je ne dirais pas forcément que je l'ai vu, peut-être que ça sera à huis clos. Mais si c'est pour l'intérêt de la nation, si je suis convaincu que lui aussi le fait pour l'intérêt de la nation, pourquoi pas? Et c'est Kabila qui vous invite? Je crois que j'irai. Si Kabila m'invite aussi, j'irai. Pourquoi pas? Si Kabila vous invite à Kinakati, vous irez. Oui, c'est un ancien président. Oui. Il a de l'expérience. Et s'il a besoin de travailler avec vous, parce qu'il dit qu'il est fatigué de son FCC, il veut reformuler son FCC New Look. Il a besoin d'une nouvelle génération. Il veut que ce soit vous que vous puissiez diriger le FCC. Diriez-vous oui ou diriez-vous non, pas vous? Je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non plus non. Je lui poserai 100 000 questions. Au point de le fatiguer pour qu'il ne continue plus? Non, pour comprendre, en fait,
pourquoi est-ce qu'en 18 ans, il n'a pas pu trouver des bons collaborateurs pour faire avancer ces pays, du moins que ces pays puissent devenir comme le Nigeria? Pourquoi il n'a pas pu le faire et qu'est-ce qui lui prouve qu'il sera capable de le faire avec moi? Vous étiez candidat en 2018, comme je l'ai dit, et parmi ceux qui ont critiqué la Cour constitutionnelle, vous êtes ceux qui n'ont pas beaucoup parlé de la Cour constitutionnelle, mais quand même un peu. Aujourd'hui, cette Cour est en train de se lever. Bon, le FCC parle d'une politisation de la Cour constitutionnelle. Ils disent que c'est honteux d'avoir une Cour aussi politique avec une seule tribu, c'est ce qu'ils ont dit. Que dites-vous? Vous dites la même chose, que c'est trop de loups là-bas et... Je crois que j'avais écrit une tribune qui avait attiré beaucoup d'insultes envers moi, où j'avais dit que le roi se dénude et personne n'ose lui dire la vérité. Je ne sais pas si vous avez lu ça. Si, je lis toujours vos tweets. Okay. Et j'avais dénoncé cette pratique-là qui consiste à ne nommer que les gens d'un certain coin du pays. J'avais dit que c'est comme si le roi a une certaine passion pour les gens d'un certain coin du pays. Et c'est vrai. On ne peut pas le nier. Les noms, les mêmes noms reviennent. Mukendi, Kazadi, Kabengele, ce n'est pas une bonne chose. Mais ce n'est pas la même province, Mukendi, tout ça, ce n'est pas la même province. Alors si on doit les dire comme ça... Comment ce n'est pas la même province? Parce que le Kasaï, c'est maintenant l'Omami que ça change. Non, mais écoutez, c'est... Alors, mais si c'est dans ces cas, donc, quand on prendra quelqu'un du Bas-Congo et qu'on prend quelqu'un du Bandung, il faut refuser parce que les deux faisaient partie d'une même province une fois dans notre histoire. La décentralisation... Dans sa forme actuelle, c'est d'abord quelque chose de très récent. Donc, notre génération, nous avons connu le Kassai comme Kassai oriental, Kassai occidental. Nous ne sommes pas encore morts. Je suis encore très jeune. Est-ce que la question est portée au niveau à ce niveau-là ou la question est au niveau de la raison d'abord? La tribu, parlons-nous de la tribu ou parlons-nous de province? Il y a un aspect culturel qui entre en jeu. C'est ce que j'aimerais que nos amis du pouvoir puissent comprendre. C'est vrai que je ne suis pas tribaliste. Moi, mon père était du Maniema, ma mère est du Congo central. Je suis né à Kinshasa, je suis marié à une Kassaïenne qui est née et grandie à Lubumbashi. Ça fait beaucoup, hein? Ça fait beaucoup. Donc, cela veut dire que moi-même, mon identité, je ne sais pas la définir, sinon dire que je suis Kinois. Et la question de l'identité est une question très importante, ce qu'on aborde très rarement. Ce qu'il existe, c'est ce qu'on appelle une identité inférieure et puis une identité supérieure. Être Congolais, c'est notre identité supérieure. On ne peut pas dénier à quelqu'un son identité inférieure. Si une personne s'est définie en tant que Louba, vous ne pouvez pas lui nier cette identité-là, sinon ça va créer un conflit. Mais culturellement parlant, il y a déjà un problème avec... J'aimerais être le plus clair possible. Il y a un problème avec les Loubas, même dans les blagues, dans nos blagues de tous les jours. Lorsque vous allez prendre la maison, il y a déjà des gens qui vous disent qu'on ne donne pas la maison au Louba. C'est déjà un problème. Lorsque vous allez dans le monde des affaires, il y a des gens qui n'aiment pas traiter avec les Louba. C'est déjà un problème. Il y a plusieurs exemples comme ça. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que les gens ont fini par croire que la tribu, les gens de ces coins-là, ont... quelques théories suprémacistes et se croient un peu supérieurs aux autres tribus. La vérité est qu'ils sont bosseurs, ils sont travailleurs, ils se font remarquer partout, ils sont majoritaires. Dans la boxe, le champion du monde de la boxe, c'était un Louba. C'est un point positif. Les grands avocats, je vais dire un grand nombre des avocats voilà. sont Louba. Voilà. Les médecins n'en parlons pas. Dans le monde des affaires, ouais. plus de 70% sont, Louba. Sont des Louba. Dans mes entreprises, quand j'ai commencé mon entreprise, 80% de mes employés étaient Louba. Ouais. Parce que quand je prenais les gens, je ne gardais pas la tribu, moi ça ne m'intéresse pas. Vous voyez, il se démarque au fait dans plusieurs secteurs, ça crée une certaine frustration. Je ne sais pas si c'est seulement à Kinshasa que cela se passe. C'est un peu partout en tout cas. Voilà, déjà, vous savez, quand il y a un problème culturel qui circule déjà même comme une blague, oui. il faut faire attention lorsque vous avez le pouvoir et que vous essayez maintenant de redistribuer les cartes. Il faut faire très attention parce que, au lieu de créer la sympathie
pour votre tribu, ça peut créer aussi l'antipathie. C'est ce que nous essayons d'éviter, en fait. Il faut équilibrer les choses dans le contexte de notre pays. Mais alors, vous voyez que là, vous dites quelque chose de très profond, de très fondamental, parce que ça nous touche, nous, et ça touche même notre stabilité en tant qu'État, en tant que nation. Pourquoi cette question de Luba n'a jamais aussi soulevé des questions comme aujourd'hui? À l'époque, Kabila et Katangé, on va dire ça comme ça, le gouverneur de la banque était Katangé, enfin, je ne sais pas s'il est où il était, on nous a cité une liste de gens. Quand je fais, moi, j'essaie un peu de réfléchir, je me rends compte que même au niveau de la police, il y avait des Katangé, au niveau de l'armée, il y avait des Katangé, mais pourquoi il n'y avait pas un problème en ce moment-là, et ça devient un problème aujourd'hui parce qu'il y a un Luba. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on peut appeler la loubophobie? Mais oui, ça peut être la loubophobie, mais c'est quoi la racine, la source de cette loubophobie, justement? Oui. C'est pourquoi je parle de phénomène culturel. Comment se comportent les loups dans la société normale? D'accord. Vous savez, il y a des gens qui ont un complexe de supériorité. Naturellement. Moi, j'ai un complexe de supériorité. Ouais. Je ne pense pas que c'est une mauvaise chose. J'ai étudié à l'étranger, parmi les blancs, j'étais le seul noir. Pour survivre, j'avais besoin de développer ce complexe-là de supériorité. Ça m'a permis de survivre, de ne pas stresser. C'était un état de survie que tu as développé. Voilà. Ouais. Culturellement parlant aussi, les loups, en tant que tribu, en tant que peuple, ils ont certainement développé cette culture-là. Je ne sais pas. Je crois qu'il faut poser la question au professeur Mayoui. Je vous donne l'exemple des Tutsis, par exemple. Les Tutsis sont minoritaires par rapport aux Hutus, au Rwanda et en Ouganda. 15% contre 85%. Mais les Tutsis, ils ont toujours été des grands commerçants. Ils avaient toujours des grandes fermes, l'élevage des animaux. C'est des grands pasteurs. Naturellement, c'était déjà des grands pasteurs à l'époque. Raison pour laquelle ils sont toujours considérés comme supérieurs aux autres. Raison pour laquelle même Hutu veut dire esclave. Les Bahutu veut dire en leur langue esclave, justement. C'était justement par rapport à ça, et ils transmettent ça de génération en génération. Aujourd'hui, on doit l'avouer, les loups sont très courageux. Même dans le commerce, je vous dis, lorsque vous rencontrez 5 personnes, 3 seront loups. Ils sont très forts en commerce. Dans le transport, n'en parlons pas, dans le transport au Congo, ils sont et dans le moto, et dans le taxi, et dans le bus, ainsi de suite. Voilà, ils ont aussi les plus belles, les plus belles femmes. C'est l'une des tribus qui a le plus belle femme au Congo. Moi, j'ai une cousine congo, mais elle est très belle. Voilà, ma mère aussi est congo. Ah, donc elle est belle aussi, donc elle est très belle. Donc, votre femme est Luba. Elle est Luba, elle est aussi très belle. Ce qui est vrai, c'est que les loups ont de belles femmes. Elles ont de belles femmes, voilà. Très bien. Alors, on va passer à cette question, mais il faut dire aussi que je vais, avant de parler de Minembwe, parce qu'il faudrait en parler, l'identité, c'est très important, mais j'aimerais toujours savoir, j'ai toujours envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Enfin, disons pas qu'est-ce qui s'est passé parce qu'on sait ce qui s'est passé, mais où en êtes-vous avec cette histoire de Fekoufa? Ah, ok. Je crois que très bientôt, nous allons organiser un point de presse pour clarifier cette situation-là. Que notre chaîne ne manque pas d'invitation, en tout cas. Vous ne manquerez pas d'invitation, vous serez invité. Nous allons tenir un point de presse, en tout cas, si tout va bien, début novembre, pour faire une mise au point par rapport à tout ce qui s'est passé. Je ne vous parlerai pas encore de ça parce que j'attendrai moi-même aussi. Alors, parlons de la question qui fâche. La question, c'est la question de Minembwe. Cette Kikuni, Félix Tshisekedi, on va le dire en lingala, cette partie, Atekimboka, Atekeliba Rwandais, Minembwe. Et Razeras Rouberoa, Yepesa Rwandais, Ndenge Batobalobi. Sikoyo, yura leader d'opinion. Quel est ton point de vue tant que tu as comme Minembwe, la manière dont on va aborder en haut, et dans l'Assemblée nationale, et dans la population, et dans la peine dans la diaspora? Parce qu'il faut le dire, il y a posé mon corps dans la diaspora, oui, mais il y a posé la diaspora agissante au moment de travail. Alors dites-nous un peu, comment tu analyses le fait de bout en bout? Bon, c'est vrai que Nazad divisé entre cette qui connaît l'intellectuel et cette qui connaît les patriotes. Pourquoi la lobby Bongweza? Parce que dans la thèse, dans la maîtrise, je travaille sur dimension humanitaire, il y a conflit dans la République démocratique du Congo, dans Darfour, dans la République démocratique du Congo, Darfour. Ah, c'est très intéressant, alors. Voilà. Donc, on attend qui est à Mobimba, la population, Marambebele, les Karakuna. Et puis, sur le la source académique, tout ça, tout ça, on y est le fait que Zalakape, n'a pas tout n'a biso congolais. Bazali. Oh. Oui, Bazali. Bazali, ou Bavanda. D'ailleurs, Zara na STT, sauf que côté à la République centrafricaine. Toza ou Tobengaka. Tobengaka, on a relation internationale, pays parents, en fait, tribu parents.
cela veut dire que même tribu au trouver la frontière Kuna au trouver même sous basé Belé Koto. Les gens en République démocratique du Congo dans le monde, tous les pays, tous les pays qui sont basés en Turquie, basés en Irak, basés en Syrie, basés en Iran. Donc ça veut dire que la frontière tombe à Qatar et Salama de Zabon. Tu sais bien, tout est en Abisso. Nakala. Donc, mais ça là, de tout est congolais. De tout est congolais, Bazali. Ou en tout cas, on a ngoté. Le bateau a peiné de très mauvaise foi. Oh, mais là, nous sommes toujours à la poteau. Oui, mais. Bande de gomou, bande de poteau, n'importe ce que vous voulez. Bande de tout est congolais, ça n'existe pas. Non, bande de tout est congolais, Bazali. Bande tout est congolais. Les sources académiques, ils ont quoi attestant. Et puis, frontière, les Gabon, ils ont frontière à Mabélé. Ce qui tout est déjà koto yo na Rwanda. Na ba configuration za ngi avant ba tracer ba frontière à Mur ya Berlin quand même faut on a besoin ya ya autre ben sens commun pour conclure que ba touti bazali na Zambi pe to za na ba bemba ba za koto ba za pe kuna na kota Angola pe c'est la même chose Zombo bazali Zombo bazali Zombo kuna bazali et ça n'est pas normal c'est que zone on est comme conflictuel parce que bo rebelle les kaki tant ba zui indépendance na Rwanda ba outu mbazwa ki pouvoir mais ba touti bazala ki privilégié ba sala ki moins régime moko et sala ki rideau de fer et quoi kuna bande ko Salabaning Mabé, cela qui va mouvement Belé Salamaki, en 1960, à l'époque, il y a Grégoire Kaibanda, tout est Bakota. Après, il y a 1970, Moussou Bando qui m'a goûté à Burundi, pour tout est déjà à Burundi. Na Rwanda, il y a Outu, à l'époque, avant 1990. Après, tant que guerre est à Burundi, tout est Moussou Bakota. Donc, le mouvement est Salama tellement ébélé que, et comment il est un peu difficile, ba mélanger ba tout. Raison pour laquelle, tout est Nabiso ya Congo, Bakota qui a démarche, il y a se définir, non pas. Sous forme il y a identité na bango mais sous forme territoire il y a la mibengi munya mulenge alobi kenga na zali mutu ya mulenge ko comprendre pour à se démarquer na ba oba ya kisima wana ba bania Rwanda ba nini wana ezali important mais est-ce que to ko séparer bango lelo wana ebité c'est très difficile ya ko bango ba guerre nous sonne salama ki après ndé créer ma confusion wana surtout génocide tant génocide de salami ba interamu wa bomaki baninga ba kimeka na estet et comme il y a la guerre moko ba iko continuer la République démocratique du Congo ba outu bazoluka ba tuti kagame pa profiter lobby ah bino ba tuti boza kuna République démocratique du Congo bon mambasali biso awa sobo kebite kabila pe père abengani biso sobo kebite ba boma bino pe kuna et ça qui tout à fait normal que loyauté na bango et longo na République démocratique du Congo et kende kuna mais en réalité un villageois n'est pas nationaliste. Un villageois ne comprend pas trop la politique. Un villageois est patriote. Un villageois ne regarde que sa terre. Place à l'homme, que sa terre. Place à l'homme, que sa terre. Et il y a des gens qui ont posé un problème. Il y a des gens qui ont politisé d'être baroubéroi. Ils ont un dossier pour survivre politiquement. Ils ont exploité pour survivre politiquement. Mais en réalité, villageois, ils ont été. Mais il y a une question, parce que ça tombe bien au travail. Est-ce que Batou, au bazar, Nyamulengi, est-ce que ces Nyamulengi là, Bango Mokonteur, en tant que communauté, est-ce que Bassi déjà va exprimer un désir et un robot de la Mabilé, et comment il y a Bango, ou est-ce qu'il y a une ambition politique démesurée, il y a Batou Kinshasa, pour que nous, le bien, on va vivre politiquement? Et ça, ambition politique, il y a un villageois, il y a Mabilé, place à Vanya, il déplacer Mabilé, il en fait, sentiment et patriotisme, il y a un sentiment positif. Et un des nationalismes, c'est un nationalisme, c'est un sentiment négatif. Lors de la compréhension, moi, patriotisme, ça va avec linga, ma belle naïo. Aimer la terre. Voilà, mutu soka bota mais attend enfer. Rien de plus que le Congo. Le Congo c'est l'enfer. Soit ok, les bandes appelent nos zones, le Congo c'est l'enfer. Mais ton linga on rira bongo. C'est comme ça, c'est notre pays, c'est notre patrie. Patriotisme, yangoana. Nationalisme, et y a la comparaison. Au comme que bah congolais, bah l'équipe angolais. Et comme on a toujours sentiment moins négatif et créer un conflit. Mais dans le cadre y a bah banya mulenge wana. Bah ça la revendication ma belle était parce que les places bah il faut pas vendre d'abord qu'un de l'ango wapi surtout dans le contexte haut politique et leur place dans ce blâme aux politiciens on a contexte haut politique où on veut créer une union africaine et commander des pays ils ont c'est dans ma belle qu'un de Rwanda pour qu'un ango wapi parce que toi on a posé intégration c'est qu'on sort ma belle ango qu'un ango wapi c'est justement où on a osé mon avec manipulation politicienne et ça m'a cassé. Qu'est-ce que il y a tout dit par Robert justement n'a pas parlementaire rebelle à Est Bazali awa pour pas vivre politiquement il faut pas créer ba guerre qu'on a besoin financer. Qu'est-ce qui connait assemblée provinciale il y a Kivu et Boya et puis ça vit mon côté ba ibisaka ba autorité à Kala que intention la venir ça la commune to era mabete mais commune avant bossa la yango bo urbaniser nanu tant que ce n'est pas urbanisé et cause à communauté parce que je respecte ba nignonate. Qui a malicieusement introduit les noms de Minembo dans la commune pour se retrouver dans le décret à Matata Mponyo et que nous se retrouver dans le décret à Tshibala
et que nous se retrouvons dans un décret au bout du conseil, disons des décrets Tibala, si le niveau d'installation là, qui peut avoir cette idée là de faire ça? Non, mais c'est clair que ça manipulation à Robert. Ouais. Écoutez, toi, la ministre de la décentralisation, ça a déjà combien d'années comme ministre? Ah, mais il est bien. Hein. À Kindara, à l'Est, à Kindara, jamais Bakongo, à Kindara, jamais Bouende, à Kindara, jamais. Maman, comment vous êtes allié? Il y a à l'Est, caca. Dans ce moment-là, il y a un objectif spécifique. Il y a bien l'eau, quoi, Zali, quoi, ça. Je crois que Zali, ceux qui étaient, ils ont un collaborateur, ils ont un Zali, au Salamo, Géoana, pour créer, moi, troubles. Il y a des gens qui aiment nager dans les eaux troubles, Baza Bongo, Bazunet, Barubero. Parce qu'en tant que ministre de la décentralisation, c'est toute la République qu'il fallait préoccuper. Car à quoi m'aurait payé? Donc, côté Wanande, Zali, Kope, Sangai, Kanda, Mena, Mawa. Mais ça, problème, on peut résoudre dans la biseau facile. Vous pensez que Roubero est congolais? Et sa question, madame, le monsieur a été notre vice-président. Aza ministre dans la biseau depuis des années. C'est quoi l'ingan à l'Oubani? Tu as vu ton Kabila père Ayaka? A présentable soit Bizimakara, a présentable soit Batebele, a lui bateau basaba congolais. Ngai nandima ke basaba congolais, bien que nous ayons mouké dans une université. Mais le jour où il y a le bâtiment de sa armée rwandaise, na Rwanda, Bizimakara, et... en Afrique du Sud, en tant que ministre des Affaires étrangères, à l'Obin ne se sent plus en sécurité. Mais donc ça veut dire qu'il s'est exprimé lui-même qu'il n'était pas né. Mon identité est Moutou. Moutou est Moro Moutou a défini sa rango. Papa n'a pas à cause de la Congolais. Papa n'a pas de maniema, mais si on a se définir en tant que Congo central, et comme il y a une identité subjective, et ça importe, il faut prendre en considération parce que si on rejette, on peut créer un conflit. Donc l'identité objective, c'est ça, on va payer sa rabis, mais subjectif, c'est ça, on a repos, on a colline à 18 ans, non. Moi, je ne me sens pas à tel pays, partie du pays. Je ne me sens pas à Congo central, je me sens en tant que maniema. Ou je me sens simplement quinoa, dites que je suis quinoa. On n'a pas décidé d'en rappeler bon. Donc, l'identité, moi, tu m'as défini ça en haut. Est-ce que loyauté à Roubaix-Roi, ils ont dirigé vers République démocratique du Congo, ou vers pays Moussoussou, ou alors, on a le bango, c'est à Roubaix-Roi de nous répondre. Mais la mystère, là, quand tu vois, tu penses qu'ils ont contenu. Bon, on a eu vraiment relation on a été en Rwanda. Mais on a acte s'est posé dans Minembwe. Je dirais que bon, Azola, ça quand même bizarre les liqueurs, loyauté n'a pas allé un peu ailleurs. Mais comment résoudre ces problèmes finalement? Pour qu'on n'en parle plus jamais? Est-ce qu'il faut suivre la logique du chef de l'État qui a dit qu'on annule tout et on recommence à zéro? Ou vous pensez que, bon, considérant la vie à l'Assemblée provinciale, encore que la vie de l'Assemblée provinciale rencontre la vie du président, c'est quoi le bon schéma? Cher Christian, vous savez. Les lois, les textes ne résolvent pas tout le problème. Nous avons ce problème-là parce que cette petite population-là à l'Est, elle est mécontente. Il faut d'abord gagner leur cœur. Ils ont vécu beaucoup de choses depuis 1960. Ils n'avaient même pas de nationalité à une certaine époque. C'était un problème. On dit toujours, lorsque vous tapez votre chat dans une salle qui n'a pas de fenêtre, à la fin, c'est vous qu'il va attaquer. Ils sont dans cette situation-là parce qu'à un certain moment, ils se sont sentis un peu rejetés par nous. Nous aussi, on les a rejetés pour des raisons évidentes. On n'a pas su faire la différence entre ceux-là qui étaient venus avant et ceux-là qui sont venus pour causer des troubles. Il faut d'abord commencer à faire un travail sur terrain anthropologique, sociologique, pour gagner les cœurs de ces gens-là. Savoir si leur loyauté appartient à la République démocratique du Congo, c'est en ces moments-là que les lois peuvent intervenir. Parce que vous pouvez faire toutes les lois du monde. Minembwe reste une commune ou non et tout, mais aussi longtemps qu'il y aura des traîtres, aussi longtemps que les gens auront leur loyauté ailleurs, il y aura toujours des troubles là-bas. Parce que ce sont des gens qui occupent ce terrain-là. Et voilà, c'est par eux que tous les dangers du monde peuvent arriver à la République démocratique du Congo. Est-ce que le Banyamulenge est sur des Congolais? Il y a des Banyamulenge congolais. Mais pas tous. Pas tous. Il y a des Banyamulenge congolais. Est-ce qu'Averance Roubaix-Roi doit démissionner ou il faut qu'on le révoque, au cas contraire, au prochain remaniement, à Zassouanate? Il faut Zassouanate. D'abord, au moins, c'est bien la question de Mouindo Zangatunaki. Averance Roubaix-Roi, comment est toujours ministre sur base de quoi? Azaba député, Tendet Baninga, Azanite, mais il est toujours ministre. Pourquoi? Tu comprends en côté. C'est ça le problème. Bachano Mutumusu nous a s'occupé de la République démocratique du Congo Mobimba en se concentrant bien sûr sur l'Est parce qu'on a un problème, les amis. Nakota Zambi Nikoloyo.
Je pense qu'il faut que la place soit démissionnée parce que ils ont commis sous clair. Pour tout le monde, la bonne intention, il y a des gens de côté. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui, dans le prochain gouvernement, est-ce qu'il faut qu'on ait encore le ministère de la décentralisation et le ministère de l'Intérieur en même temps, où il faut fusionner en gros comme c'était dans le temps, dans son emplacement, comme ça on n'aura plus de conflits d'intérêts, personne ne marchera dans la plate-bande de l'autre? Non, je pense que les deux ministères sont importants. Le Congo est trop grand, nous avons une population de presque 100 millions d'habitants, même si les gens pensent que nous sommes toujours 80 millions. Et la subdivision actuelle, la décentralisation actuelle n'est pas suffisante. Moi, je pense que la République démocratique du Congo doit avoir au moins 80 communes, si pas 100. Vous parlez des provinces. Des provinces, pardon. Pas communes. Des provinces. 26 100. Provinces, d'ailleurs, c'est... Bien sûr, d'abord, ça va résoudre des problèmes à place net Baminembo. On doit encore diviser, et qu'on va province et Bélé, et permettre de faciliter la gestion. Il y a la République démocratique du Congo. Même avec ça, 11 beaucoup quitté. 11 beaucoup quitté. Mais comment vous expliquez le fait que Tchangou est en 80% de population, mais Tchangou, vous avez assuré à 3 bourgmestres? Est-ce que c'est normal? Qui gère plus de 10 millions d'habitants? Olingi va gérer Barondéen. Même les communes aussi, il ne faut pas diviser. Kinshasa, c'est déjà Moukié. Pour les communes, je suis d'accord avec vous. Pour les communes, je pense qu'il faut diviser. Kinshasa, c'est déjà Moukié. Donc, Kinshasa, c'est pour ça qu'on divise en gros sous-souté. Mais les autres provinces là, il faut qu'on kata on peut en faciliter la gestion en fait. Pour en faciliter la gestion, on peut éviter Babylon, on dit Baminem, Bouana, comme ma commune, comme ma tête. D'ailleurs, ceux qui province et commis encore plus Moukié, peut-être qu'ils ont réuni 250 000, 300 000 personnes, et ça la facile pour un gouverneur Moko, à Salamoussala qu'il faut dans la province. Là. Vous allez poser la question des États-Unis. J'ai eu la réponse qui mais je me disais, est-ce que le problème du développement, ce n'est pas un problème d'intelligence? Est-ce que c'est un problème de superficie? Ou c'est un problème d'intelligence? C'est un problème de management? C'est un problème de connaissance managériale? Non, mais c'est les deux. Parce que quand tu as un espace, nous avons un espace, un très grand espace, qui contient beaucoup de richesses. Mais tout ça, il y a un projet qui est viable pour te transformer l'espace. Donc, ni le managériel qui aura toujours une configuration spatiale. Tout ça, il y a un projet. Peut-être, je me dis, hein, et c'est vrai que décentralisation, la délocalisation, Oyo, te prévoir en conscience, on a plus d'approche à fédéralisme. Peut-être qu'il fallait que nous soyons à fédéralisme, mais alors, pour faciliter ma rambébélé. Le fédéralisme, on a les lots de Toronto, surtout tout le monde a Zumbo et combien. Non, pas du tout. Oebi Nigeria. Nigeria, il y a un conflit entre Banin et Leki, il y a un bazar fédéral, mais Nigeria n'est pas en Zanate. Il y a Biafra, il y a Mekara dans les années 60, mais ça m'a pété. Il ne faut pas au Kansara. Non, ils vont aller où? Ok. Aux Okendewap. Afrique, d'ailleurs, a zone comme un moko. Aux Okendewap. Il y a un Okendewap. Ça, il est à l'Emoko. Pour Kendewap. Justement, comment on va faire l'Union africaine? Non. Et puis, il faut dire que les Kambo, il y a balkanisation. C'est vrai qu'ils ont un discours moropolitique pour susciter la peur. Mais ils ont un réaliste parce que les pays dans le monde, c'est un peu bien. Ils ont un peu de la plaque tectonique et la séparation. Il y a une séparation qui est la plus démocratique du Congo et qui a l'effet Moko, butterfly effect et qui est tout ce qui est en Belgique. Belgique n'est pas stable, il y a un problème sérieux. Espagne, avec les Basques, il y a une unité. Ils sont toujours dans les problèmes. Irlande, Kuna. Ukraine, on dirait non, Ukraine va réussir. Même Grande-Bretagne. Grande-Bretagne, il y a une Grande-Bretagne pour nous. Si on écoute un Écossais, on a dit que tout le monde soit anglais, il m'a giflé. Parce qu'un Écossais n'est pas un Anglais. Mais si il sera un Britannique, il va accepter. Donc cela veut dire que Batouana a déjà un problème sérieux à l'identité, mais il y a un problème qui est bien britannique pour vendre ensemble. C'est comme ça. Donc ils ont un problème propre à la République démocratique du Congo. Ils ont un problème très général. Il faut te barrer gérer à Bissau. Mais le problème de lobby managérial est important. On n'a pas su gérer. On a été incapable de monter un projet de gérer la République démocratique du Congo comme il faut. Merci beaucoup, Seth Kikuni. Ça a été un grand plaisir de passer 60 minutes avec vous et vous avez répondu à toutes nos questions. Je crois que c'est aux yeux aussi que nous aurons en 2020, 2021 parce que normalement, on n'a pas rare. Non, mais c'est pas possible. Ces derniers temps, nous allons être disponibles parce que, bon, on a d'abord homme d'affaires. Oui. C'est vrai qu'on a tant de politique, mais on a homme d'affaires. On a un Congo, un mode de survie, on a responsabilité, belé, monde de business.
Et me rappelle RTA, moi, c'est que vous êtes vraiment présent, c'est concentré dans le business politique. C'est vrai que na linga rambo comme une attaque politique pour ma politicien, mais na kolo bate que za priorité na ngai. Non. Donc ça la politique parce que to lingi mboko yo na ebi que je peux donner quelque chose et puis na quitter parce que ngai na zo retraite na ngai na 50 ans 55 ans si tout va bien. Retraite na nyonso pena na mi bendani. Donc du coup na on travailler pour on va dans la ville, on va dans la ville. Ah so ba so fa so ba celle so ba nzela. Président c'est quoi bandi banzela, ngai na continuer to continuer et que na kozwa voiture na ke manima na ke Kisangani na ke na la province non ça ni. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi, on se retrouve très prochainement. Je recevais Seth Kikuni, candidat à l'élection passée à président de la République. Aujourd'hui, il est fondateur d'un courant politique qui va déboucher la partie politique au MC jusqu'à la Combo Terre. Combo essayer ban nango ba statue sur Zali mais attendons le parti de cette Kikuni, ça sera certainement demain. Nous, la partie en Bajen et Bélé, hein. Ça va prendre tous les jeunes et en tout cas, espérons les personnes de tout âge. De tout âge, Batounion sur Bazak ou se sentir un peu délaissé, rejeté par le système qui ne se retrouve pas dans la configuration actuelle. Baroye Panabiso pour tout le monde. Kaliboso. On se retrouve très prochainement, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Oh.